J'ai été éduqué avec un principe de partage, que ce soit pour les races, les classes et les âges. Séparer, donner, aimer étaient des mots qui revenaient souvent à la maison. Ma mère insistait sur leur sens, leur valeur, pour ça y'avait pas de dérision. L'Afrique manque de nourriture, joue pas avec, finis ton assiette. Je comprenais pas, au début on croit que c'est normal d'avoir à manger tous les jours. Puis on finit par voir, certains dorment dehors, mangent que dalle, marchent pieds nus. Ma conscience a toujours travaillé sur ce thème. Aujourd'hui, je balance les pensées du totem. J'aimerais qu'on arrête de me dire de travailler plus pour que je puisse avoir plus de choses. Je suis prêt à posséder moins et que chacun mange à sa faim. C'est l'état d'esprit que j'ai depuis tout petit. Je le possède ancré dans mon sang jour et nuit. Moi j'aime la culture et le savoir, et je confonds jamais le verbe être et avoir. L'encre de mes pensées est une résistance pour la culture, pour le savoir, pour l'espoir, pour l'espoir. L'encre de mes pensées est une résistance pour l'égalité entre asiatiques, arabes, blancs et noirs. Des tartes dans la gueule, des branlées, j'en ai pris plein ma jeunesse. J'en ai voulu pendant des années à l'enfer. Mais aujourd'hui, c'est oublié, et de moi, je suis trop fier. Petit débrouillard, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour que ça marche dans la musique. Garder mes convictions, ne pas faire les choses à la nique. Continuer d'être calme, serein, droit, telle est mon éthique. J'ai la rage dans mon cœur quand je vois du gaspillage. Ce contour qui critique, jamais ne partage. Donner, c'est recevoir, on leur a pas appris. Depuis des décennies, ces gens marchent dans la nuit. Leur esprit ne connaissent qu'amasser, investir, posséder, cerveau de médiocrité. Mais leur faille, c'est qu'aux yeux de Dieu, on a tous la même taille. Sensation, émotion, vibration, voilà de quoi le monde a besoin pour tourner plus rond. Et arrête de me dire que si j'étais riche, tout irait mieux. Parce qu'idéaliste comme moi, je veux qu'on soit tous heureux. L'encre de mes pensées est une résistance pour la culture, pour le savoir, pour l'espoir, pour l'espoir. L'encre de mes pensées est une résistance pour l'égalité entre asiatiques, arabes, blancs et noirs. Si le combat contre la pauvreté, l'égalité, l'authenticité n'est plus à la mode, laisse-moi être démodé. L'encre de mes pensées n'a jamais été aussi vivante. Je te rassure, je suis pas tout seul. Nombreuses sont les personnes à monter dans le train, toute vapeur fumante. Je crois en mes valeurs, je les défends, du coin de ma rue jusqu'en Afghanistan. Je reste un combattant luttant pour un avenir meilleur. Ton sourire, le rictus du coin de ta bouche ne me fait pas peur. Ton monde te fait stresser, il n'appartient qu'à toi de vouloir le changer. Je suis maître de cérémonie, maître de ma vie, maître de mon esprit. J'assume mes choix, mes modes, mes codes. Créer un système simple, plus équitable. Qu'enfin une fois pour toutes, on soit à la même table. Riche, pauvre, noir, blanc, jeune, vieux, homme, femme. Que la paix vienne sur terre et qu'à jamais règne le salam. Salam. L'encre de mes pensées est une résistance pour la culture, pour le savoir, pour l'espoir. Pour l'espoir. L'encre de mes pensées est une résistance pour l'égalité entre asiatiques, arabes, blancs et noirs. Pour la culture, pour le savoir, pour l'espoir. Pour l'égalité entre asiatiques, arabes, blancs et noirs.